putain. Oh yes, un teaser shiny. Un teaser shiny. Yes. Oh, oh putain, yes. Bon, c'est pareil, de toute façon. Oh bah non, parce que du coup, moi j'ai plus bien. Oh yes, à ma shiny. Ah, j'ai jamais dit. Oh, il est stylé. Il est stylé. Nice. 7080. Ça va un peu en dessous du taux. Tranquille. On va le montrer à la caméra. Hop là. Et on revient bah pour une petite chanson. Hein. Allez, à tout de suite. Et re. Bon, déjà de 1, je sais pas quoi chanter. De 2, faut pas que je chante trop fort parce que y a quand même ma daronne qui dort à côté. Donc, bah je sais pas en fait, je sais pas. Donc je crois que je vais faire une imitation de Patrick Sébastien en version shiny. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais on verra quoi. Donc, attention hein. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boule? Chante les shiny, chante les shiny. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boule? Chante les shiny et j'ai pas de suite. Voilà, au moins j'ai un point, m'en bats les couilles. Bon, passons à la capture. Passons à la capture. Et fuck les openings de Pokémon. Hein. Désolé Projac si tu regardes cette vidéo, mais la flemme. Alors, pour revenir au Pokémon, Amama Shiny, en 7080 rencontres du coup. J'avais fait mes 100-300 premières rencontres en reset, jusqu'au moment où j'ai regardé une vidéo du coup. Et la vidéo, bah, le mec se faisait ça en fuite, et du coup j'avais oublié qu'on pouvait le faire en fuite. Donc là j'ai utilisé une Moti capture, j'ai fait des tests de capture, disons qu'il est très chiant à capturer, donc ça va partir sur une Lux Ball. Mais d'abord je vais le Colorior. Alors Colorior, détrempage, fauchage, c'est ce dont j'ai besoin. Donc je vais le détremper, enfin je vais d'abord l'endormir, le détremper, et je vais le mettre midlife. Parce que j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de... Desseliande. Avec les... Les bons moves. Et la Bémépo. Désolé, hein, je cherche mes mots, mais j'ai fait un petit apéro chez des amis ce soir. Il était bien costaud. Mais je comprends pas, ma cam faciale, elle est décalée. C'est mon écran qui est pas droit peut-être, je sais pas. Alors. Oui, je me suis mute, parce qu'en ce moment, on joue beaucoup à Minecraft avec les gens. On est sur un serveur où on a 15-17 personnes, je dirais, assez de manière constante. Et on s'éclate. On s'éclate. C'est aussi pour ça que je trouve pas autant de shiny qu'en trigamer on s'attend à ce que je pourrais trouver pour une WSHC. Même si je suis déjà très content de mon score personnel. Mais voilà, petite compète chill, puis Minecraft, c'est parfait. On passait des soirées sans prise de tête. Hein. Vraiment, je regrette presque de ne pas avoir eu ce jeu avant. Ça m'aurait tenu un peu éloigné du shiny hunting à certains moments. J'en aurais eu besoin quand même. Mais je le découvre en temps et en heure, en 2022 du coup, avec la version 1.18. Enfin, je le découvre réellement. Disons que j'ai joué à Minecraft en 2011, quand il est apparu en version 0.1AB quelque chose. Des premières versions qui étaient apparues sur le site jeuxvideo.com, sur le forum 1825 d'ailleurs, à l'époque. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé à fond à Minecraft, à part construire comme tout le monde des bits en terre, des petites maisons en cobble et tout. Mais là, je prends le temps de découvrir le jeu, de m'amuser dessus, la redstone aussi, tellement incroyable que la redstone.
Je suis tout fou hier, j'ai créé mon premier four automatique. Un vrai gamin, hein. Juste une envie là, c'est de lancer le jeu et d'aller miner des trucs pour le tester. Alors que bon, ça me sert presque à rien vu que bah, j'ai déjà fait presque tout ce qu'il y avait à faire. Mais c'est quand même très cool. C'est quand même très cool. Donc bah, je pense que je vais pas vous l'apprendre, mais si vous pouvez jouer à Minecraft avec vos potes, je vous le conseille. Bon, après le PVP, c'est pas mon délire. Je sais qu'il y en a qui sont à fond sur le PVP. Perso, j'ai quel âge maintenant? Je vais avoir 28 ans là cette année. Donc, je vous avoue, comparer mon e-pénis sur internet, j'ai passé l'âge. Mais je sais que le PVP, assez fan, et c'est tant mieux. Surtout sa communauté, parfois un peu toxique, j'ai l'impression, mais comme dans toute commu où il y a de la compétition. C'est dommage, mais c'est comme ça. En attendant, je parle, mais voilà, hein, c'est une capture qui va prendre un peu de temps. Donc, autant discuter un petit peu. D'habitude, j'aurais mis un ralenti. Mais pour une fois, je crois que je vais laisser une vidéo longue. Et voilà quoi. Il est bientôt midlife. On va pouvoir commencer à lancer des Lux Balls. Ah, c'est bien, mais j'ai pas compté les pp quoi. Du coup, s'il me fait une attaque et qu'il a. Et qu'il. Bon, c'est un potentiel risque de fail là. Un potentiel risque de fail là qu'on a là. Ouais, voilà. J'aurais dû mieux me préparer. Enfin, j'en suis pas encore là, mais au bon, niveau PP, j'ai rien compté du tout. J'ai absolument rien compté. Donc, on va voir. Alors, c'est parti pour une Lux Ball. Enfin, des Lux Ball, du coup. Ici. Hop. Je dirais pas non, une petite capture critique, hein, évidemment. Je dirais pas non, une petite capture critique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Je crois que je vais encore demander à quelqu'un de me donner une chasse de ma liste. D'ailleurs, c'est là, c'est Ephis Aegis qui a choisi cette chasse parmi la liste que je me suis faite pour la WSHC. Donc ben là, ça fait que si je capture ce Pokémon, j'aurai eu 0,8 des Amaama en Ultra Chimère. Il en restera toutes les autres à avoir en Full Odds. Et pas mécontent de commencer par celle-ci, car bon, c'est pas celle que j'affectionne le plus. Les Shiny Jaune, c'est pas trop mon truc. 0,8 des Amaama, ouais, pas ouf. Mon Ultra Chimère préféré, je ne saurais pas dire qui c'est. Peut-être Katagami, parce que les changements sont, je vais pas dire discrets, mais ils se font voir sans se faire voir, je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Il a que tête de fer, hein, celui-là, c'est une dinguerie, par contre. Angle, attaque. Durant le test de capture, il avait mis que quelques balls à être capturés. C'était tranquille. Je sais plus, il avait mis genre 5-6 balls. J'aimerais bien qu'il mette pareil là. Genre maintenant, ce serait cool. Trop bien là, parfait. Dommage. Il est vraiment beau, hein. Il est... C'est le genre de shiny qui change totalement. C'est vraiment sympa. Il est très beau. J'avais envie de le voir sans son aura, là. Sans son aura rouge. Il a que tête de fer, hein, par contre. Je connais pas d'autre attaque. Le boug. Attaque.
sport. J'espère juste que s'il me tape avec Struggle, ça va pas le tuer direct. Normalement ça devrait aller. Je devrais être en mesure de le capturer directement. Enfin voilà. Hippiute. Et là il se réveille, évidemment. Je veux bien, mais il a vraiment que tête de fer comme attaque. Ça se passe comment? Il est censé avoir un mur de fer et tout normalement. Je vais aller voir sur PE, mais PE ou alors Poké Element pour les intimes. Gérer les PP. Alors tuc 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 ama. Ah, il a tête de fer, boule rock, garde large et mur de fer. Je n'ai pas encore vu attaquer utiliser. Aucune de ces autres attaques. Hop, hop. Salaud. Maintenant, je sais pas trop quoi dire d'autre. Boire une petite goutte d'eau, peut-être l'inspiration viendra. Je sais pas. Putain. Et il se réveille, et tête de fer, comme d'hab. Parce qu'il connaît que ça, le saligo. Attaque, il me reste combien de sports? Il me reste 6 sports. Est-ce que je passerai pas à cage éclair après? Ouais, non. On va rester sur sport, c'est pas mal. Allez, s'il te plaise, laisse-toi capturer. Évidemment. Évidemment. Putain. Enfin, j'aurais beau aller, il va pas rentrer plus vite. Par contre, il ne connaît vraiment que tête de fer, j'ai l'impression. Alors que c'est faux, mais il donne cette impression-là. Allez, gamin.
petite capture critique là. Oh, allez. Ama Ama. Je me demande quand même de quoi ils se sont inspirés, hein, les tradéfers là, pour l'appeler Ama Ama. J'ai pas jamais été, j'ai jamais renseigné. Enfin, on va quand même pas se mentir, c'est nul, hein. Ama Ama. Bon. Pas foufou. Ah, enfin. Yes. Capturé. Nice. Gigi's noob. Ah mais je l'appelle Minecraft, évidemment. Et je vais d'ailleurs faire un Ama Ama, pas shiny, un Ama Ama normal dans Minecraft. J'ai trop envie d'essayer avec avec du basalte. Autant se servir de ce minerai dégueulasse que nous a offert la 1.18 apparemment. Minecraft, rejoint votre équipe. Ou je ne sais pas, hein, je vais peut-être digiter de la merde, mais je pense qu'on m'a dit que ça était arrivé avec la 1.18, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, hein, n'hésitez pas. Sans bashing évidemment, ce serait gentil, on peut pas tout savoir. Hop là, le fourre-tout. Et les objets rares, comme d'habitude, la tournée pour montrer qu'il n'y a pas le charme chroma. Ah, et une troisième pour être sûr, tac tac tac. Enfin parce que là, c'est un peu bizarre, tac 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 tac. Voilà. Alors, on va sauvegarder, bien entendu. Et de quelle nature peut-il bien être cet Ama Ama? On va déjà le soigner avant de se dévoiler la nature. On va se laisser un petit peu plus de suspense. De toute façon, que la vidéo dure 10 ou 12 minutes, ça reviendra au même. Et maintenant, Ama Ama est de nature foufou. Eh bien, dis donc, GG Dada. GG Dada. Hop là! Et on va faire une petite rencontre, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai le max repousse d'activé. Ça va être compliqué de faire une repousse avec. Une rencontre avec. Une repousse avec. Donc on va courir. Ah, est-ce que je peux faire une rencontre avec du miel? J'ai jamais fait de rencontre avec le miel. Je sais pas si ça fonctionne. Miel ici. Hop. Miel, 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 miel. Ici. Ah ouais, ça fonctionne. Trop cool. Je savais pas ça fonctionnait. Ah mais si, on peut faire les rencontres en surf. C'est comme ça que les gens font les rencontres en surf, c'est vrai. Oh, il y a Zoroark ici, jure. Trop stylé. Lui aussi, il est trop stylé. Il est vraiment sympa. Il est énorme par contre. Il est gigantesque. J'aimerais bien le transférer sur épée et bouclier. Je me demande s'il est aussi grand. Enfin voilà. Je me demande surtout comment il marche. Bah bon, on verra bien. 16 minutes de vidéo. Ça va être sympa. Je retirerai ça demain matin, enfin du coup, ce matin. Parce que la flemme, j'ai envie d'aller jouer à Minecraft du coup. Bon, bah des bisous, à la prochaine et bonne chance. Salut YouTube!